Salam, j'espère que vous allez bien. Liom dit comme une nouvelle vidéo comment porter le pas d'éléphant ou le pas d'œuf, l'icône populaire bzef les années 70. Donc, il m'a l'abonnement belé le pas d'éléphant raho. Il revient à la mode, il est très à la mode. Je fais plusieurs marques, je fais plusieurs fashion shows. Donc, l'avantage de le pas d'éléphant, c'est qu'on peut le porter, mais à quel les styles. Idar en a un style élégant et classe. C'est-à-dire un style pour le travail. Naïen est plutôt avec une chemise blanche. Soit on met la chemise à l'intérieur du pantalon, soit on fait une partie à l'intérieur du pantalon et l'autre partie à l'extérieur. Aussi, on peut rajouter un blazer, une petite chemise, des talons pour un style très, très classe et élégant. Donc, si par exemple il fait froid, on peut rajouter une veste mi-saison, tkoun pour les genoux. Hadi la veste, soit tkoun marloura avec une petite ceinture qui marque la taille. Ida konti qsira, ida konti twila, vous pouvez l'ouvrir. Kima nchoufou f les photos. Donc, il y a quelques illustrations, les amis bino. Un autre style très tendance, hadi le pantalon, c'est qu'en été, nous sommes à des tops courts. Ou là, un t-shirt, avec le pantalon. On peut avoir des vestes en jean, des vestes en cuir, avec les styles. En hiver, bien sûr, on peut avoir un pull en maille, ou là un manteau, on l'ouvre, on peut avoir un pull, on peut avoir le pantalon. Il te bestane ma les capes, les khadjou bzef, très à la mode la saison dernière, ta 2021, et hiver 2021. Ken bzef à la mode. Ça donne un style très très beau. Pour un style plus, comment dire, style parisien, un look parisien, n'hésitez pas à le porter avec un chapeau. Den mahajabat, accompagnez votre pantalon pas d'éléphant. Un gilet long, d'ailleurs un petit pull avec une petite ceinture et ça donne un look très très joli. N'hésitez pas à abonner à ma chaîne, mettez des likes, ajoutez-nous Instagram et je vous aime beaucoup.